On va aller faire cette quête-là. Donc. Donc, là, on est sur Skyrim Anniversaire d'édition. Donc là, je vais faire la quête. Les morts se repos, une quête ajoutée avec la mise à jour Next Gen Anniversaire d'édition. Donc là, il faut trouver le laboratoire secret. Après qu'on est arrivé sur place, sur les lieux, on se retrouve dans une ferme. Allez, vas-y, un fantôme. Une plaque de fer, d'accord. Alors. Peut-être remonter pour aller voir plus clair.
pense qu'il faut fouiller autour de la maison, peut-être avoir la solution. Ah, je me retrouve sur le balcon supérieur. C'est pas grave. On va essayer de fouiller les environs. Il n'y avait pas un chariot qui s'était écrasé à côté? Non, ça c'est une... C'est un camp de la Légion impériale. Alors, la solution de son journal. Quoi.
sais pas trop comment. Enfin, c'est là. Bon, là, c'est Rorikbourg. Il doit y avoir un indice quelque part, mais je sais pas où. Ta-ta-ta-ta-ta. Là, c'est Rorikbourg. Mais...
Drin, c'est le petit garçon en fait. Le fils du couple. Surtout, c'est qu'il n'y a aucun indice.
Tenter la chance à Origo. On va. Peut-être une auberge, je vois quelqu'un qui sait quelque chose. Vraiment pas paraître impoli, mais c'est Joanne qui s'occupe des affaires courantes. Je crains d'avoir perdu mon charme il y a bien longtemps. Oh, ça oui. Je commandais une armée de plusieurs dizaines d'hommes, tous issus de villages de cette châtellerie. J'ai failli y passer durant cette guerre. Un soldat Aldmeri m'a transpercé de sa lame et laissé pour mort. Un guérisseur du nom de Joanne m'a sauvé la vie. Nous sommes devenus amis. Cet homme est un véritable faiseur de miracles. Pas encore, mais elle aurait très bien pu. Puisque toutes les châtelleries sont entrées en guerre, il ne reste plus personne pour protéger les routes des brigands et des bêtes sauvages. Bien évidemment, à mesure que la guerre épuise les ressources, nos vastes champs et nos magasins bien fournis seront une cible de choix pour les hommes désespérés. Espérons que le conflit prendra vite fin. Plus la guerre dure, plus nous souffrirons, on est bien peur. Bon, on va tenter H. Là, c'est quoi? Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis, j'ai pris une flèche dans le jeu. Belle Ennis. Vous avez des amis qui travaillent à... Vous avez vu ces gardes? Sortez du rang et vous aurez affaire à eux. N'y aurait-il pas un peu de jalousie dans votre voix? Je vous en voudrais à peine. C'est un beau compliment, en vérité. Je vois dans vos yeux que vous croyez que je plaisante. Je vous assure que non. Je suis fière, et à juste titre, de ce que nous faisons ici. Travailler le sol de ses mains, voir les graines qu'on a plantées prendre racine et pousser, s'occuper d'un troupeau, travailler de façon honnête procure un plaisir inégalable. Principalement à Blancherive. C'est Ennis qui s'occupe de l'aspect commercial, mais je sais que quelques clients nous payent correctement. Ennis aime se vanter de son sens des affaires. En ce qui me concerne, je préfère de loin avoir affaire à des bêtes et à des champs. À des individus. Très bien. Vous avez déjà parlé à Reldith? Elle est comme une mère pour moi. Nous sommes des travailleurs honnêtes ici. On déteste les mendiants et les voleurs. Bon. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit? Vous avez dit que vous me le diriez hier, mais vous ne l'avez pas fait. Je sais pas comment trop.
peut-être en dormant dans les lieux. Peut-être qu'un fantôme va se réveiller. On sait jamais. Ah voilà. D'accord. Je pense que c'est par là. Apportons l'épée en bois à la ferme. Ouais, c'est tout con, fallait juste... lire le journal du gamin. Bon. Bonjour. Merci beaucoup. Tenez, prenez ça. C'est pour votre aide. Bon, ben voilà. Et ensuite, on peut utiliser cette ferme comme bon nous semble. Voilà, la plantation plus de bord, l'espèce de ferme, on peut l'utiliser comme on veut. Ok. Ouais, c'est tout. Planter les céréales, là, oui.
Récolter un intendant pour la plantation. Ouais, ça tant pis, on verra plus tard. Bon, bah c'est fini pour cette quête-là. Voilà. Donc, je vais arrêter.